Coucou les amis, je vais vous présenter deux recettes. Comment faire la marinade pour assaisonner le poisson et comment faire cette recette-là, le poisson frit là. Comment c'était délicieux. Pour la marinade, je vais ajouter le poivre, l'épice rondelle, l'épice pépin. Je vais bien piler le tout là. C'est disponible sur le site internet lacuisinedemarina.com, les épices. Voilà. Et pour l'étape suivante, je vais ajouter quelques gousses d'ail, le poivron rouge, le poireau, la coriandre, quelques feuilles de persil, du basilic, une cuillère à café de gros sel, le bon cube tous usages, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, n'en rajoutez pas. Deux cuillères à soupe de moutarde, l'huile, tous les épices pilées là, non. Le poivre, les rondelles et le pépin. De l'eau. Les amis, j'ai ajouté de l'oignon. Bon, je n'ai pas montré dans la vidéo. Et ensuite, vous mixez bien le tout là, non. Et après, je vais assaisonner dans le poisson. Voilà, je vais ajouter le sel là, non. Mes abonnés de Facebook, s'il vous plaît, vous êtes nombreux à regarder les vidéos là. Mais vous ne likez pas. Mettez un pouce bleu, commentez et partagez. C'est gratuit. Hein. C'est vraiment gratuit, les amis. S'il vous plaît, c'est très important de soutenir. Mettez un pouce bleu, partagez, commentez. Et c'est tout ce que je vous demande, les amis. Bon, là, je vais bien mélanger la marinade avec le poisson. Voilà le résultat. Et pour l'étape suivante, je vais allumer le feu. Je vais mettre de l'huile. Bon, ça, c'est l'huile que j'avais déjà utilisée, que je garde dans une boîte. Voilà. Et je vais faire frire le poisson. C'est du poisson bar. Ça vient du site internet envidafri.fr. Je vais vous mettre le nom là. Vous faites frire ça à votre convenance. Moi, j'aime bien quand c'est bien frit. Voilà, là, je vais tourner. Et ensuite, après, je vais retirer. Mes abonnés de YouTube et TikTok, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. C'est très important de soutenir. Likez, partagez et commentez. Vous savez, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous ne likez pas. C'est gratuit, les amis. Il faut que je me répète tout le temps avec vous. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu et partagez. Commentez si vous voulez commenter. Voilà le résultat du poisson, les amis. Ça a bien grillé là, non. Pour ma petite sauce tomate au piment, là, j'aurais besoin de deux tomates, un poireau et un oignon. Je vais ajouter de l'ail parce que j'avais oublié. Je vais laisser mijoter 10 à 15 minutes à feu moyen. De temps en temps, vous vérifiez la cuisson pour que ça ne brûle pas. Mais avant, je vais ajouter le piment. Le piment, s'il vient du site internet, lacuisinedemarina.com. Une cuillère à café d'épices de poisson, aussi disponible sur mon site internet. Le bon cube tous usages et le reste de la marinade là. Voilà les amis, je vais bien mélanger là non. Le piment là, j'ai seulement ajouté une cuillère à café. Mais c'est tellement épicé les amis, ça vient de l'Afrique. Ça c'est le bon piment africain, vous me connaissez. Donc quand c'est épicé là, c'est très fort. Allez commander sur le site internet lacuisinedemarina.com. 10 minutes plus tard, voilà le résultat, je n'arrive plus à parler. Là, le piment est bien cuit comme il faut. Ma tomate, bon, le piment. Et je vais retirer. Et je vais faire des légumes à côté pour accompagner mon plat, là, non, le poisson. J'aurais besoin de ça. La tomate, l'oignon, les concombres et du poireau. Là, j'ai coupé. Et je vais passer à la présentation, les amis. Oh là 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 là, je vais mettre la teke là. Oh, bien propre là. La teke vient du site internet envidafri.fr. La teke bien propre là, quand tu vois là. Et c'est tellement bon. Je vais mettre un peu de banane plantain. Voilà, j'ai fait frire un peu ça, non. Je vais mettre mon piment là, vous me regardez. Oh là 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 là. Je vais mettre une bonne quantité là. Les légumes, c'est très important de manger les légumes, les amis. Encore des légumes sur mon poisson. Et je vais passer à la dégustation, les amis. Voilà, la recette est prête, les amis. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez si vous voulez commenter. C'est très important de soutenir. Mettez un pouce bleu, enregistrez la vidéo. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bon, une nouvelle recette. Et oui, n'oubliez pas de passer vos commandes et des assaisonnements faits maison sur mon site internet lacuisinedemarina.com. J'expédie au Canada, à Dubaï, en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Je vous mets toutes les informations dans la description, le numéro de commande au WhatsApp dans la description, les amis. Je fais énormément d'épices, les marinades aussi faits maison. Par contre, les marinades, j'expédie seulement en France et le reste, j'expédie partout sauf en Afrique.